Mesdames et messieurs, voyons maintenant qui est notre prochaine invitée, notre prochaine invitée d'honneur, car on va aussi réaliser un, vous savez, un bon, bon, bon. Oui, avec, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Gilles Alma, qu'on applaudit bien fort. Oui, chez vous, applaudissez. On ne vous entend pas, mais applaudissez quand même. Coucou, coucou les copains. Ça va, Gilles? Comment allez-vous? Ça va super, au top. Ça se passe bien. Dis donc, mais vous êtes dehors, là? Comment? Vous êtes dehors? Vous êtes à l'extérieur? Oui, je suis en totale liberté. Alors, j'ai pas mis le masque. Dépêchez-vous, je vais me faire arrêter par les flics. Ça va me coûter 135 balles, cette histoire. Ouais, minimum. 135 minimum. Bon, c'est la pause déjeuner, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est à la cantoche. À la cantoche? À la cantoche, parce que je suis en tournage. Bon, très bien. Gilles, ce que je vous propose, on va essayer de réaliser ensemble un numéro de magie. Est-ce que vous en avez envie? Ah oui! Ah! J'ai eu peur. Et si vous êtes sympa, je vous ferai un petit cadeau. Enfin, je sais que vous êtes sympa, mais je veux dire pendant le tour. On va essayer quelque chose. Bon, maintenant que j'ai fait apparaître les cartes, on va essayer de faire quelque chose de simple. Regardez, j'ai ici, donc, truc normal, hein, les cartes. Un truc, des... Voilà. Des trucs... Bah, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vous allez voir, le tour n'est pas, ne mérite pas un truc spécial. Regardez, voilà. Vraiment, vraiment, toutes différentes. Ce que je vais faire, Gilles, je vais effeuiller les cartes comme ceci. Vous allez me dire stop sur une carte et on va s'arrêter sur une carte. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Hop, voilà. Ici, où on recommence depuis le début, où ça va? On est bien là. On est bien. Vous allez regarder la carte. Est-ce que vous allez vous en rappeler? Moi, je ferme les yeux. Je n'ai pas d'écran de contrôle. C'est bon, vous l'avez? Oui, ouais, ouais. Mettez main. Voilà. OK, regardez. À une près, c'était une autre carte. D'accord. C'est ça. Si vous étiez au début, voilà, elles sont toutes différentes et on va faire un truc de dingue, Gilles. Regardez bien. Je vais prendre le jeu de cartes, je vais le mettre dans ma poche, in my pocket. Ah, ouais, complètement bilingue. Oui, parce que je m'appelle Stéphane Lorenz. Hein, c'est très important parce que vraisemblablement, on ne se verra plus jamais. Stéphane Lorenz. Alors, regardez bien. Attention, votre carte va voyager le long de ma manche et arriver dans l'autre poche. Pac, bingo. Vous vous rappelez de votre. Vous avez pensé à votre carte, Gilles? Oui, je l'ai, ma carte, dans ma tête. Oui, dans votre tête. Oui, mais ce serait bien qu'elle arrive dans ma poche. Oui. Donc, il faut penser à la carte. Il faut dire, voilà, vous envoyez la carte à travers l'écran et moi, je la récupère. OK, c'est bon? Ouais. C'est bon, Gilles? Ouais. Ah, il a une tête de vainqueur, il a envie, là. Hein, oui, nom de Dieu. Allez, Gilles, ouais, Gilles, on y va. Attention à 3. 1, 2, 3, allez, paf. Je sens, oui, sur mon téton gauche, je sens quelque chose. Ah oui. Oui, c'est du cœur. Oui. Regardez. Le 3 de cœur. Ah non, il y a une couille. Il y a une coucouille. Ah merde, faut la refaire. C'est pas la bonne, c'est quoi votre carte? Le 10 de cœur. Le 10 de cœur. Attendez, si je frotte un peu. La carte s'allonge. Oh la vache. Regardez. Le 10 de cœur. Truc de dingue. J'ai jamais vu celui-là. Hein? J'ai jamais vu celui-là. C'est. Vous n'avez jamais vu ça à l'avant. Hein. Je suis le seul au monde à le faire. Personne n'en veut. Il n'y a qu'ici, à Ergué Gabéric, avec vous, Gilles. Ouais, bah, Gilles. Bravo, au top. Gilles, c'est l'heure du déjeuner. Ouais, je vous propose de boire un petit canon. C'est pas de refus. Je n'ai pas de canon. Mais comme dit l'expression, et si on allait boire un petit ballon? Ah, très bon. Je pense. Non, le gag est... Non, c'est pourri. Faites pas semblant de... Non, mais je... Champagne, Gilles! Oh là 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 là! Je vous invite à la maison pour faire la paillettes. Même. Tiens, tu peux nous chercher des verres? Merci. Non, mais reste là, parce qu'il faut de la couleur et l'image. C'est ce qu'a dit Jean-Luc. Ah, formidable! Ben, Gilles, vraiment, c'est super sympa de nous avoir rejoints. Comment avec grand le plaisir. Début du spectacle? Vous l'avez regardé ou... J'étais en train de tourner. Je viens d'arriver, je suis désolé. Mais je regarderai en replay. Hein, vous regarderez en replay, oui, c'est bien. Mais en tout cas, vous avez une sacrée promotion quand même, hein, parce que vous étiez un gentil voisin, le Alain, le voilà, et puis après, vous êtes passé. Ça va quand même un peu plus haut. Hein, j'ai ma petite série, je suis content, je tourne à Strasbourg, j'aurais préféré tourner en Bretagne. Avec toute la sincérité, je ne dis pas trop fort, parce qu'il y a les Alsaciens, ils sont un peu durs, mais les Bretons, je préfère quand même. Ouais, bah, c'est-à-dire que beaucoup de choucroute, on s'endort. Hein, nous, c'est plus léger. Voilà, c'est plus, oui, c'est juste la bière, sans la choucroute. Ouais. Oui, la bière sans la choucroute. Je ne sais pas si on aura de parler de l'alcool. Du coup, je dois parler de cidre puisqu'on est en Bretagne. Donc, nous aussi, on boit beaucoup de cidre. Avec modération. Sinon, je voulais savoir, parce que vous avez fait quand même pas mal de métiers. Vous avez fait poissonnier. C'est vrai. D'où la Bretagne. Vous avez même fait agent de sécurité
dans une grande salle parisienne. Ça vous parle, ça? C'est un petit clin d'œil pour Jean-Luc. Ouais, complètement, ouais, ouais. À Bobino. Et vous avez fait Strip-teaser aussi. Strip-teaser. Enfin, Strip-teaser. Non, pas vraiment. Vous avez fait une émission un petit peu... Ah oui, je mettais un petit peu le... Oui, oui, oh, bah, ouais. C'est pour prendre l'air. Bon, on va oublier, visiblement. Hein. Ce n'est pas un bon souvenir. Si, 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 mais si. Si, avec les copains, cause. Toujours agréable. Non, mais les gens, ils se rappellent peut-être plus, c'est pour ça. C'était une magnifique cause, voilà, où tout le monde était à poil. Voilà. Oui, c'était star à nu, on peut le dire. Voilà, star à nu. Alors, vous étiez ici en octobre 2017. Ça passe, hein? Ça passe, ça passe. Ça passe trop vite. Ça passe, oui. Un super one man show. Bah, j'espère que vous reviendrez nous voir ici en Bretagne. Avec plaisir, oui. Bien évidemment. Ou ailleurs, mais Hergé, on est bien à l'Athéna, on est bien, on est bien. Bien et sûr. Pour terminer, une petite question un peu qui peut foutre le bourdon, mais du coup, vous, le confinement, c'est comme si on n'avait pas ou voilà, ça se passe comment le confinement chez vous? Ah bah, et là, alors, en ce moment même, là, à l'heure où je vous parle, je suis donc en tournage, donc j'ai énormément de chance. J'ai même un peu honte, mais je tourne à Strasbourg, à ma série, et voilà, donc je suis au boulot. Ouais. Bah, je suis un peu comme vous, nous on n'a pas de boulot, aujourd'hui je travaille, j'ai un peu honte parce que vu ce que je présente, mais bon, je suis là, mais non, c'est le moins cher, hein, on va boire du champagne avec Nadège. Eh ben c'est le top. Bien, eh ben merci, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. De rien, tout le plaisir est pour moi. Ce soir, pardon. Et puis, on espère vous revoir bientôt sur les planches, bah, surtout à la télé, hein, parce que pour l'instant, on a que ça à faire. C'était ça, on reprendra vite, on va vite reprendre. Ouais, merci. Bon, bisous, Gilles, les copains. À très très vite. Bisous, merci infiniment. Vous êtes au top. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.